retrouve pour un nouvel épisode de la Carrière Manager avec le LOSC. Donc dans cet épisode en vitesse les gars, on affronte Tottenham en 8ème de Ligue des Champions. Objectif, match nul, parce que gagner il y aurait un petit problème je pense. On affronte Nantes, Saint-Etienne en Coupe Nationale et on finira l'épisode par l'Olympique Lyonnais. Donc vite fait aussi les gars, merci parce que vous avez passé les 400. Vous êtes actuellement, à l'heure où est-ce que je tourne la vidéo, vous êtes 403, 404, donc merci énormément à tous ceux qui s'abonnent, qui like, qui commentent, etc. Ça fait extrêmement plaisir les gars. Du coup, pour ce match contre Tottenham, on va mettre l'équipe 1, mais le problème c'est Yazici, hein. C'est ça le problème, c'est, on n'a toujours pas de milieu droit. Ah bah, ah ouais mais non, son général, je suis désolé mais vas-y tu bouges. On n'a pas de milieu droit ou de milieu gauche pour l'équipe B. Parce que bon, regardez, attendez. On a Yazici qui joue milieu droit en équipe 1. Et le problème, c'est que il joue MOC en équipe B. Et qu'il n'y a vraiment personne pour le remplacer. À part le mec qui a marqué son premier but avec sa première passe D. Attendez, il est où? Voilà, c'est lui qui avait joué. Au pire, on peut faire ça. Mais bon, ça va être très, très compliqué de tenir jusqu'à la fin de saison avec une équipe comme ça. Il faut absolument que Almada, sa blessure, elle se répare un petit peu plus vite. D'ailleurs, on va aller voir. On va aller voir en vitesse... dans combien de temps il revient, parce que de base la blessure c'était 4 mois les gars. C'était 4 mois. Et à mon avis ça a dû descendre à peut-être, je sais pas, peut-être 2 mois, ça serait sympa. Où est-ce qu'il est? Almada il revient dans 2 mois, voilà. Fracture du tibia. Et il est blessé 2 mois. C'est dommage parce qu'il était vraiment bon quand il jouait. Et du coup let's go les gars pour les meilleures actions de ce match contre Tottenham. Où est-ce qu'on va prendre Tarif? C'est parti les gars pour ce match contre Tottenham. Et c'est l'équipe 1 de Tottenham les gars. Et ouais, du coup il y a un petit problème sur le papier déjà. Ouais, c'est qu'on va se faire déglinguer. Voilà, Son qui passe sans problème. André qui parle Shintok pour essayer de le rattraper à la vitesse et au physique, il se fait balayer limite. Ouais, ça va être très compliqué avec, ouais, avec cette équipe. Eh, ça c'est bien joué pour André. André pour Ikoné. Oh, l'ouverture du score. 13ème minute. Ouverture du score. Le but d'Ikoné, les gars. Le but d'Ikoné. On ouvre le score contre Tottenham. Ah ouais, non mais chaud. Chaud, chaud, chaud. On a récupéré le ballon ici. Hop là, petit coup de pied. Première passe. Deuxième passe. Et directement frappe sans contrôle. Pour le 1-0 contre Tottenham. On va faire attention, Son pour Havertz. Havertz qui va essayer de la mettre sur Son pour Harry Kane. Oh là 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 là, l'arrêt du gardien. Allez, on conserve l'avantage pour l'instant. Oh là là, non, la bête perd deux balles face à Harry Kane. Oh, penalty. Mais non, le penalty. Mais non, il n'y a clairement pas faute, les gars. Il n'y a clairement pas faute. Je suis désolé, il n'y a pas faute. Je prends le ballon. Ah, je vois le ralenti, mais je prends le ballon clairement, là. Il n'y a pas faute. Regardez bien. Ok, il y a faute. Oh là là. Mais non, mais. Putain, on va se prendre un penalty de la part de Harry Kane et il le met. L'égalisation de Tottenham, le 1-1. 21ème minute. Tottenham qui égalise sur penalty grâce à Harry Kane. Il connaît qui va la jouer pour Wea. Wea qui va essayer de passer face à la défense. Ça va passer pour Wea. La petite frappe à l'arrêt du gardien. Fin de la première période, les gars, face à cette équipe de Tottenham. Et on n'a clairement pas l'avantage. On a un but, ils en ont un. On a fait que deux tirs, les deux ont été cadrés, dont un qui est rentré. Eux, ils ont marqué donc un sur penalty. Donc en vrai, tu leur enlèves un tir et un tir cadré. Ils ont quatre tirs pour deux cadrés. Possession, ils nous mangent. Précision des passes, regardez, ils sont en train de nous manger de 10%. Ils sont à chaque passe, il y a une interception, c'est juste incroyable. On ne va pas faire de changement. On va juste bouger Sanchez et André. On va juste les changer pour qu'on voit un petit peu plus André qui est un petit peu meilleur que Sanchez dans le match. Et du coup let's go pour la seconde période face à cette équipe de Tottenham qu'on va essayer de surprendre et de dominer dans cette seconde période. Attention, Havertz qui va la jouer pour Son pour Harry Kane. Harry Kane qui est passé, le but de Harry Kane, le 2-1 pour Tottenham à la 48ème minute. Harry Kane qui va aller célébrer ça avec son entraîneur, même pas, mais ouais. Fallait s'en douter les gars, on a tenu une période face à Tottenham, la seconde fallait bien
Fallait bien s'en douter qu'on allait craquer et pas faire la différence. Peut-être Tottenham, ok, pourquoi pas. Pour Harry Kane, sur l'aile, attention. Il va très certainement faire une passe. Voilà, il fait la passe pour Havert, second poteau. Oh, bien joué le gardien là, qui nous sauve. Faut essayer de pousser avec Ikoné. Allez, Ikoné. La frappe d'Ikoné. Oh là là, l'arrêt du Golioris. L'arrêt. Aïe. Pour Yazici. Yazici pour Bamba. Boulet de canon. Oh, il a tiré à côté. C'est dommage. C'est dommage, les gars. Ah, les gars. Fin du match. Et au final, c'est le penalty qui nous aura fait perdre le match nul, j'ai envie de dire. On a les mêmes stats en tant que tir d'occasion, tu vois. On a les mêmes. Au niveau de la précision de passe, on est bien revenu, mais bon, c'est pas ça, précision de tir, du coup on est pareil. Honnêtement, on méritait au moins le match nul, je pense. On méritait le match nul, et ouais, l'homme du match qui va être de leur côté, c'est Son qui est sur le banc avec une note de 9, tout simplement. Nous, ça va être Ikoné, non, c'est André avec une note de 8,8. Mais ouais, c'est dommage parce qu'on pouvait très clairement aller chercher le match nul. On a eu des occasions qu'on n'a pas réussi à mettre au fond. Au match retour, on peut rêver de la victoire au match retour. Et peut-être d'une qualification alors que la Juventus, ça fait match nul contre Valence. Ok, pourquoi pas. Du coup, pour le prochain match, il y a combien de jours de repos? 1, 2, 3, 4, équipe 1, équipe B, équipe 1, équipe B. Ouais, on va mettre l'équipe 1 pour le match contre cette équipe de Nantes. Du coup, on va laisser cette équipe. On a deux messages. Imaginez, on se fait limoger juste à cause de ce match. Ça serait chaud, mais non, c'est bon, c'est deux trucs de joueurs. Alors, merci de m'avoir réintégré, tu me fais plaisir, t'as été très très bon. Et continue comme ça, toi, t'as été incroyable durant ce match face à Tottenham. L'équipe a été très très bonne. C'est juste un manque de... Je pense un manque d'expérience du côté des joueurs pour nous permettre d'avoir... chercher la victoire. Alors, on a une offre pour Nias de 1 million, on va accepter, de toute façon, il est dans la réserve, il jouera jamais. Et rapport mensuel sur les joueurs. Oh putain, lui il est bon. On va le signer. Hop là, on va signer Aubert. Et du coup, les gars, moi je vous dis à tout de suite pour les meilleures actions de ce match à l'extérieur contre Nantes. C'est parti, les gars, pour ce match contre Nantes. L'objectif, c'est vraiment les 3 points. On peut revenir sur le PSG, ils ont juste à faire une erreur et on peut revenir. Mais nous, on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. On revient du match de Ligue des Champions avec cette équipe. A mon avis, l'équipe, elle va être un petit peu plus... Je sais pas comment je pourrais dire. Un petit peu plus motivée que d'habitude. Je pense que l'équipe a pris quand même pas mal d'expérience juste en jouant contre Tottenham, même si on a perdu. Même si je pense que la défaite, ça a dû taper un petit peu sur leur morale. On n'a vraiment pas été dégueulasse, donc l'équipe, en vrai, elle devrait bien prendre la confiance avec Bamba, la vitesse. Oh là là. Oh, le retour physique, attention. Et on voit que les joueurs sont vraiment motivés. On a vu le sprint ici de Bamba qui était juste énorme. Par contre, avec le soleil dans le stade, je vois pas trop mes joueurs. Hop là, Renato pour André. André, la frappe du pied droit et l'arrêt du gardien. Lafond qui arrête ce ballon. Allez, on va tirer ça correctement pour Soumaro. Non, ça va pas passer. Pour qui va la jouer pour Manotas. Tel mec, on dirait son nom, c'est Mantos. Et il marque. 1-0 pour Nantes. 1-0 pour Nantes, ça pique. On est déjà mené 1-0 là. Si l'équipe elle marque pas, c'est qu'un problème avec Wea et l'égalisation. Le 1-1 face à Nantes. On revient au score. 23ème minute. Timothy Wea qui marque encore une fois en championnat, les gars. Il doit être à son 21ème ou 22ème but cette saison en Ligue 1. Et juste incroyable. La frappe pied droit pour le 1-1. Est-ce que ça va passer? Oui, ça va passer sans problème pour Renato. Renato qui va aller chercher André, boulet de canon et la barre et le but. Le 2-1. Le 2-1 face à Nantes. La balle elle est ressortie après la frappe. Pourquoi pas. Mais je suis pas sûr qu'elle est rentrée par contre. Hein. Bon, le jeu dit qu'elle est rentrée, mais j'aimerais bien voir la VAR. Le mec c'est il marque mais il veut voir la VAR. Ok, elle est bien dedans. Ok, elle est bien dedans. Elle dépasse toute la ligne. Le but est validé. Par contre, le gardien en lévitation, ça fait bizarre. Ouais, elle est. Tout pile. Et c'est fait les gars, c'est le 2-1 face à cette équipe de Nantes. Allez, attention. Attention. Une action du côté de Nantes. Oh là là là. L'arrêt du gardien. Allez, ça va partir en corner juste avant la mi-temps. Faut vraiment pas qu'on se fait égaliser. Ça serait dommage. Fin de la première période les gars. On mène 2-1 face à Nantes.
Les détails sont là, on a le même nombre de tirs, on a la possession. En fait, là c'est le remake du match contre Tottenham, vous voyez. On est à droite et on incarne Tottenham, mais eux sont en train d'interner le LOSC du dernier match. J'ai l'impression au niveau des occasions, etc. C'est identique. On va pas faire de changement, l'équipe est assez bien comme ça. Renato qui est très très bon dans ce match, tout comme Bamba et Wea. Et du coup, let's go pour la seconde période face à Nantes. Piquer ça, non les gars. Non, faut qu'on prend les 3 points, voilà, bien joué le gardien. Allez, attention les gars, attention là c'est dangereux, Non, pourquoi t'es sorti des cages gros? Pourquoi il est sorti des cages je vais l'insulter. Pourquoi il est sorti des cages? Pourquoi il est sorti des cages? Fin du match et j'ai envie d'insulter les joueurs. J'ai envie de les insulter, la vérité j'ai envie d'insulter Ikoné. Ikoné dégueulasse dans le match. Ultra mauvais, je crois on va le vendre, il connaît la vérité, je crois on va le vendre. Il m'a saoulé durant le match, il a été mauvais, il est transparent et dès qu'il a le ballon, il perd le ballon et on vient de perdre des points bêtement. On est à 1 point du PSG si on gagnait et maintenant on va se retrouver à Tataouine, on va de retour se trouver à 4 ou 5 points de cette équipe du PSG. Et ouais, l'équipe très décevante, ah, je suis déçu. Et il connaît, il est mauvais, mais il est mauvais en conduite de balle. Il est mauvais comme joueur. On va mettre l'équipe B pour ce match face à Saint-Etienne. Ah mais j'ai envie de serrer la vérité. On va aller voir les stats d'Ikoné cette saison parce que c'est pas le... Il s'est passé quoi avec Ikoné? Il était chaud en début de saison pourtant. Il était chaud en début de saison et en plus je suis sûr que c'est le joueur qui va avoir le plus cher. Regardez, on va aller en financer. Ah la vérité, si c'est un des deux joueurs les plus chers, je le vends. Ah il va me faire serrer toute la saison lui. On va monter. Eh ouais. Et lui, il vaut presque 30 millions. Eh ben. Ah non, mais je suis dégoûté. Ah, il m'a saoulé. Il est où? Bon, il doit être dans les meilleurs titulaires. Même pas, il est là. Il a 34 matchs. 14 buts. On se passe des. Mais il est mauvais comme tout. Et il a une note de 8. Mais c'est n'importe quoi. Il nous fait des matchs. C'est n'importe. Je crois que je vais le recaler sur l'aile en vrai. Hein. Et on va remettre Yazici en tant qu'MOC. Mais du coup, let's go les gars pour cet avant-dernier match face à Saint-Etienne dans la vidéo. C'est parti les gars pour ce match contre Saint-Etienne avec l'équipe B. Et c'est Coupe Nationale, du coup on va essayer de gagner. Mais je vais pas vous mentir que j'ai la haine de cette équipe. Parce qu'on perd déjà des bêtes ballons. Et surtout l'équipe elle parle Shintok. Genre regardez, mais oh là là les passes les gars. Mais l'équipe elle est mauvaise. Genre je sais pas, c'est bizarre. L'équipe elle est pas comme d'habitude. Mais ouais, on va essayer de faire avec ça hein. On va essayer de gagner un match dans cet épisode. Ça serait pas mal déjà. Ouattara t'es très bon. T'es très bon Ouattara, c'est très bien ça. Très bien joué. La passe en retrait pour Arojo. Oh putain ce qu'il a tiré. Oh, oh il nous a fait une Clinton NJ là. Zimène pour Arojo qui va la jouer sur l'aile. Le centre pour Solachi. Ah les gars, faut cadrer s'il vous plaît. Ah là là les gars. Mi-temps, bon ben 0-0, une équipe vraiment mauvaise. Je vais pas vous mentir, l'équipe elle est horrible à jouer. Horrible, l'équipe elle est horrible, les détails du match ils sont là. Voilà. Horrible match. L'équipe elle est horrible depuis le début d'épisode et du coup, let's go pour la seconde période face à Saint-Etienne. Mais non, d'où ça passe? Ça va pas passer, ils vont pas tirer quand même. Saint-Etienne, laissez-nous gagner un match quand même. Oui. Oh là 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 là. Comment on a chaud les gars. Toi t'es un général mon pote, il est extrêmement bas. Mais t'es extrêmement bon pour Maya. Arojo. Oh là là, mais ils arrêtent tout, c'est horrible. Maya pour Ouattara. Ouattara qui va aller chercher Osimhen. Et là on doit marquer là. Là tu dois marquer Osimhen. 1-0 1-0 à 3 minutes de la fin du match les gars. On a enfin délivré un match très compliqué. L'équipe elle est très mauvaise. L'équipe elle est très mauvaise. Et puis voilà, on marque enfin. On marque enfin Osimhen le sprint. Hop là il prend le ballon, frappe pied gauche pour le 1-0 face à Saint-Etienne. Fin du match, victoire 1-0 face à Saint-Etienne. Ce que j'ai à dire, c'est que, j'ai envie de péter un câble, on a enfin gagné un match. On va partir du coup en demi-finale et il reste Nice, Lyon et le PSG.
Ça a piqué. Franchement, ça a piqué les demi-finales que des grosses affiches. Par contre, l'équipe. C'est quand que cette équipe elle se réveille un petit peu. Parce que bon, ok, on gagne, on fait un match, mais bon, on plie le match 1-0 à 3 minutes de la fin du match. Donc déjà, il y a un problème. J'attends davantage de toi parce que t'es mauvais. Match décalé, ok, on gagne 285 000 seulement. Marseille qui sont 3e, Lyon qui sont remontés 4e alors qu'ils ont fait un début de saison mais horriblement dégueulasse. Valence qui va nous acheter pour 14 millions. 14 millions, on va accepter. On va accepter, ça va nous faire 14 millions de plus la saison prochaine. De toute façon, lui, il joue vraiment pas, il est remplaçant dans les deux équipes. Et du coup, let's go les gars pour ce dernier match à domicile face à Lyon avec l'équipe 1. Ça va être un match très 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 compliqué qu'il faut absolument plier dès la première période. Allez les gars, c'est parti pour ce match à domicile face à Lyon. Et très honnêtement, je veux qu'on gagne ce match, mais vraiment de la plus grosse des manières possibles. Un bon 3-4-0 là, parce que j'ai la haine de tout l'épisode. Je me retiens parce que bon. On peut pas être chaud à tous les épisodes, mais là l'équipe, bon ok, contre Tottenham on a bien joué, on va pas se mentir, Tottenham malgré la défaite on a bien joué. Contre Nantes on s'est fait ouvrir, on va pas se mentir, on s'est fait ouvrir face à une équipe qui a clairement pas notre niveau. Et là face à Saint-Etienne on n'a pas les Chinois pour ouvrir le score. Mais là très honnêtement, ce genre d'action, je valide le 1-0, Ikoné qui marque, superbe travail de Bamba sur l'aile, 7ème minute, le 1-0 face à Lyon. Ah là là, là je le sens bien le... Vous le sentez vous aussi le match là? Le match, je le sens très très bien bizarrement, je sais pas pourquoi. Mais je sens que les 3 points, on va vraiment bien les prendre la Bamba. Vas-y, petit délire, la petite passe. Hop là, Ikoné qui répond présent à la finition pour le 1-0 face à Lyon. Oh oui, ah. Oh oui, ah, si tu récupères. Oh oui, oh, incroyable la récupération. Boulet de canon, le 2-0, 10ème minute, le 2-0. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait, Wea? Et qu'est-ce qui se passe? L'équipe, elle est réveillée, ça y est. Ils se sont dit, ouais, c'est le dernier match. On va faire un petit peu de Zumba avec les supporters. Oh là 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 là, belle récupération de Wea. Petit sprint, petite poussée de balle et gros boulet de canon du pied droit pour le 2-0 face à l'Olympique Lyonnais. Allez, Renato Sanchez, Renato pour Wea. Boulet de canon et l'arrêt de Lopez. 20ème minute, Anthony Lopez qui arrête le ballon. Allez, on va tirer ça correctement ici pour Renato. Non, ça va pas passer. Attention à Bertrand Traoré. Bertrand Traoré qui va passer à la vitesse. Attention, la frappe et l'arrêt. L'arrêt, ça fait plaisir. L'arrêt à la 27ème minute. On conserve l'invincibilité dans ce match. Mais attention, Lyon. On va tacler. Oh, 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 bien joué ça. Mi-temps les mecs, on est en train de mener 2-0 face à Lyon. On les a pris à froid dès le début du match. Mais c'est en train de revenir petit à petit. Le jeu lyonnais, c'est la possession. Et plus ils ont le ballon, plus ils sont en train de construire. Donc c'est très très compliqué de les attaquer dès qu'ils ont pris le ballon. Après on n'arrive plus trop, on est obligé de faire un gros pressing. Et du coup let's go les gars pour la seconde période face à Lyon. Je vais poursuivre moi à Aro pour André. André qui va la jouer pour Ikoné. Non, Larry Lopez encore une fois. Allez, il connaît la profondeur pour Wea. Alors là, Wea, t'as été placé, mon pote. Pour frapper et marquer. Le 3-0 face à Lyon. Le doublé de Wea. Wea qui va encore planter en championnat. Juste monstrueux, Wea, en championnat. Il est monstrueux comme joueur. Attention à la vitesse. Il va centrer au point de pénalty pour Aouar, le 3-1. Le but d'Aouar, les gars. On encaisse encore une fois dans ce match. On encaisse encore une fois. Et le but d'Aouar... à peu près 10 minutes de fin de match, hein, Aouar qui vient marquer. Donc attention, attention à pas se faire remonter bêtement au score, les gars. C'est la fin de match, l'équipe elle lâche comme d'hab. Ça va être bien tiré la tête. Oh là là, le but. André qui vient marquer de la tête. Je l'ai dit, il est bon. Je l'avais dit contre Tottenham, il était très très bon. Mais on le voyait un petit peu pas assez. Et là, il vient tout simplement nous. Voilà, il vient nous assurer la fin de match. Le 4-1, la belle tête sur corner. Hop là, on va revoir le ralenti. Hop là, le saut, la tête, le 4-1 face à l'Olympique Lyonnais. Fin du match, victoire 4-1 face à Lyon. On a géré ce match pour une fois.
Dans l'épisode, le match, on l'a géré du début à la fin, malgré le but du côté de Lyon. À retenir, l'équipe a été très bonne. Là, c'était l'équipe contre Tottenham. Là, en vrai, j'ai retrouvé une bonne équipe avec des bonnes sensations. Ils ont bien joué. Il y a eu des grosses accélérations. Il y a eu de l'accélération. Il y a eu de la temporisation. Il y a eu plusieurs choses qui a fait que le match, on l'a vraiment géré de A à Z. On a 3 points de retard sur le PSG. Donc, ouais. On n'aurait pas fait le match nul, très honnêtement. On serait juste derrière, encore une fois, le PSG. Montpellier, quatrième, les gars. Vu que Lyon ont perdu. On va faire les entraînements et on va se quitter là-dessus. Du coup, les gars, c'est la fin de l'épisode. Donc, si l'épisode vous a plu, vous connaissez les bails. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si cela n'est pas encore fait. Et sur ce, peace.